Normalement, c'est good. Ça sent ce pas. C'est l'heure du duel. J'ai pas stream deck, du coup, j'en sens comme ça à l'arrache. En gros, on fait quoi? J'ai beaucoup de jeux à jouer. Mais genre beaucoup. Normalement, il y en a 40, si je compte bien. Et c'est des démos temporaires, entre guillemets, pour l'E3, qui sont sortis du coup la semaine dernière, je sais pas quand. Pour le Summer Game Fest, le truc de Geoff le bro. Et du coup, ouais, c'est dispo genre une semaine sur Xbox. J'avais le seum parce que l'année dernière, du coup, c'était quand la Gamescom, c'est en août. Il y avait eu ça aussi. Pareil, il y avait eu plein de démos. J'étais wow, trop content, plein de nouveaux joueurs à jouer et tout. Et ben en fait, c'était une semaine aussi. J'étais pas au courant. Mais là, je suis au courant qu'il y a une semaine. Du coup, ça se termine soit lundi, soit mardi. On est dimanche. Bon. Alors, je vais jouer un petit peu à des jeux. Et les jeux, en fait, je sais pas ce que ça peut être. Que genre, je connais un jeu, c'est le jeu de tracteur. Tu tends la pelouse, normal. Tous les autres, je sais pas, je crois que j'ai même pas vu. Parce que c'est souvent des petits jeux. Genre Sable, il me semble que je l'ai vu, genre, ouais, à l'E3 et tout. Mais t'as des jeux, je sais pas. Oh là, t'as dans des confs que j'ai pas vu, parce que j'ai pas vu toutes les confs non plus. Si le jeu me plaît, ça part sur un. Si le jeu me plaît pas, ça part sur un. Il est très fort en plus, il fait mal aux oreilles, il fait. Encore une fois, peut-être? Voilà. Donc, je répète que c'est l'heure. Je sais pas pourquoi ce son est tellement saturé. Je pense que je donne note d'une version de merde. Mais j'ai bien envie de commencer du coup par le jeu. Le jeu de tracteur tondeuse, parce que vas-y, j'ai un jardin, moi aussi je tourne la pelouse et tout. Et j'ai vu un court extrait de ce jeu. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air. Excellent. Exquis. Mode carrière. Ok, on s'en fout. Ah, faut vraiment qu'une carrière? Ok, let's go. Je veux les tutos. Ouais. Couleur de l'uniforme. Let's go. On s'en bat rien, mais. Confirmé. Oui, on accepte. Alors, qu'est-ce que je conduis? Ça, c'est un truc genre de. C'est un truc de. De tryharder de fou, ça. Le tracteur avec les trucs devant pour bien pivoter et tout. Moi, perso, j'ai un truc comme ça chez moi. Du coup, ouais, on va prendre celui-là. Ah oui, non mais d'accord, non mais vraiment. Putain, je peux. Mais je peux sprinter, ça. C'est un jeu où faut tourner de la pelouse. Pourquoi je peux sprinter, frère? Alors, démarrer le moteur. Putain, il a mis du temps à démarrer, hein. Attends, derrière mon vieux tracteur, hein, parce que mon tracteur, moi j'ai un tracteur, il a. Bon, il a pas mon âge, j'abuse, mais il a genre 15 ans. Ah mais oui! Ah, c'est vraiment un tracteur, genre le truc, faut que t'augmentes la puissance du truc et tout. C'est stylé en vrai. En vrai, ça me fume. Attends, on va mettre les lames hautes au début, on ne sait jamais. Genre, j'ai un contrat et tout. Par contre, attends, la PV est nulle là. Genre 5, je suis bien. Ouais, ça me fait du pourcentage. Ça me fait penser au jeu Bully, le GTA-like où t'es dans une école. Quand t'es. Quand tu te fais engueuler, faut que tu tournes la pelouse et tout, ça me fume. Ah, je suis con, j'aurais dû prendre l'autre véhicule, parce que celui-là, vraiment, quand tu le sens, c'est galère. Hein. Oula, j'ai calé. What the fuck? C'est trop simu pour moi. C'est quoi ce truc? Accélère, ouais. On démarre, ok. Par contre, moi, quand je tourne la pelouse, vraiment, c'est un. C'est un peu un délire, genre. Je disais, moi, quand je tourne, genre, IRL la pelouse, genre, je commence, je fais le contour et tout. Mais au bout d'un moment, je pars un peu en zigzag, genre, je fais des traits, je fais le contour des arbres, je reviens sur mes pas, je refais un trait ailleurs et tout. Attends, je tourne en rond, j'ai pas activé les lames. Oh le con, je me disais, ça monte pas beaucoup en fait. Et je voyais mes traces de roue, j'ai pas activé les lames. Par contre, ouais, la vitesse, je sais pas, genre, comment gérer. Des fois ça passe au rouge, mais je peux y faire quoi moi? Ils m'ont pas expliqué comment on devait gérer ça. Hein. Alors que pourtant c'est le tuto. Hein. Et sur TikTok, je follow un mec. Genre le gars c'est un pro, genre en fait il fait des dessins dans son terrain et tout. Mais genre aussi il met n'importe quoi, il met genre du sable dans son herbe et tout. Genre son gazon c'est un terrain de golf le truc. Alors que c'est juste un random qui habite dans un petit pavillon quoi, let's go. Et ça me fume parce que genre, le gars c'est vraiment.
C'est vraiment un crack, il est en mode ouais. Dès que les voisins ils voient que ma pelouse, ils sont trop jaloux et tout. Et ça me pue. Mais par contre, je fais vraiment. Je fais quoi, 10% là? Et si je fais 10%, t'en fais un truc propre, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. En tout cas, lourd le gameplay. Et lourd le jeu. Hein. Mais toi, 10%. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils vont me dire de vider du coup mes bacs là? Parce que j'ai vu qu'il y avait une poubelle et tout. Ah, bientôt les 10. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Oh, contrat terminé. Vraiment, contrat terminé, j'ai absolument rien fait. Comme ça. Ah oh, oui, d'accord, bah, ça va. Hey, imagine. Oula, pourquoi il a donné des coups de bras là? Après, c'était des mots, hein. Et on rentre chez soi. C'est vraiment ça la démo. D'accord. J'ai envie de tester ce putain de truc où tu peux vraiment tourner vite et tout. Ah, ça, c'est un petit truc en fait. Ça va, oui, parce qu'au début c'était genre le tuto. D'accord. Ok, j'ai compris. Hein. Ça me fume, c'est. C'est un jeu de tracteur tondeuse, enfin de tondeuse de pelouse. Faut que t'aies un mode FPS où tu peux courir. Attends, il me faut une POV qui sera cool là. Genre comme ça. Engager les lames. Let's go. Putain, mais j'ai déjà 40 secondes dans le cul là. Et du coup, normalement, t'es censé tourner. Ah oui, ça tourne vachement mieux que l'autre truc. Ça tourne vachement mieux que l'autre truc. Et du coup, je suppose, vu que c'est genre une simulation et tout, tu dois avoir. Selon ta hauteur de coupe, le gazon, il a une plus grosse densité et tout, je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que quand j'arrose trop, il peut se surchauffer. Ça me ferait chier, tu vois, qu'il surchauffe le truc. Sachant qu'il est neuf et je viens de l'acheter. Je pense que t'as des pénalités si tu tonds des plantes, des fleurs. T'as par contre, on va pas vite. Hein. Moi, je mets un peu le turbo quand je tombe à pelouse. Hein. Les gens qui me voient dans ma cour, ils me voient. Passer à fond de balle, ils vont se demander ce qui se passe. Par contre, il me reste vraiment 1 minute 30 là. Et je suis à 25%. Il y a un problème quelque part ou. Où c'est impossible. Moi je suis en mode vas-y cette machine là, genre c'est un truc américain, ça tourne dans tous les sens et tout, ça c'est nickel pour juste en tourner. Là regarde-moi ça, j'ai fait plein de trous partout, je sais même pas comment. On dirait que quand tu tournes les cheveux tout seul avec une tondeuse, tu fais n'importe quoi, bah là. Encore une arme. Vas-y, encore une arme, ok, tu sais quoi? Voilà. Est-ce que ça me manque mon pourcentage là? Je tente tes putains de plantes. Tes putains de fleurs à la con. Excusez-moi, je coupe un peu trop près du bord, hein. Voilà. T'as bien une fleur, Arsu, normalement. Est-ce que tu peux te faire virer, genre t'as trop fait de trucs? Imagine l'amende. Imagine l'amende, je dois payer plus que le salaire qu'ils vont me donner. Hop, là. Alors, j'ai hâte. De voir mon salaire. J'espère qu'il y a des détails. J'espère qu'il y a des détails du salaire. Alors. Bonus temps de coupe 17 livres. Pénalité 80 livres. Plante détruite 72 livres. Collision 3,5 livres. Dégâts du sol 3,5. Ah, en fait, dégâts du sol, quand j'ai fait genre j'ai râpé avec mes roues, ça pas grand chose. Échec de l'état du sol. Ici, j'ai TP 310. Moyenne pénalité, je suis à 247 livres. Ah, ouais, d'accord. Voilà, j'étais payé 310 livres. Je pense que c'est du coup un jeu excellent. Je peux aller améliorer la véhicule au garage. Je pense qu'on est bien là. Est-ce qu'on pourrait pas, genre, tout désinstaller hein, comme ça on le fait en allant. Hein. Bon, par contre, j'abuse. Le jeu en fait, il est validé. Hein. Tu dégages. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mad Street. Vas-y, let's go. Mad Street, ça me. Ah, voilà, c'est un jeu de combat, ça. Eh, mais je l'ai pas vu à l'E3, ce jeu-là. Il me semble. Mad Rush, Rumble. Ouais, on veut du fight. On veut du fight.
Moi, je suis le blanc avec le bandeau à droite, là. À droite. Oula! C'est marrant, ça. What the fuck? Attends, je peux... Je peux grab? Je peux genre esquiver tout comme ça? Je donne des coups de pied de salope dans le cul, là, des gens. En fait, on tape les grosses brutes, là. Ouais, mais attends, faut que je chope un mec. Je comprends rien à ce que je comprends à ce que je joue. Parce que je donne que des coups de pied de salope, mais j'ai l'impression que je fais pas grand-chose. Ah, mais en fait, c'est pas les touches qu'ils mettent, ok. Ok, ils indiquent des touches alors qu'en fait c'est pas celle-là. Ah, ou alors faut donner des petits coups de salope pour après avoir des. Le gage de. Ah, le gage des tèches du bar, c'est. Oh non, non, mais KO avant moi. Mais du coup, what the fuck. J'ai pas tout compris. Hein. Mais c'est Street Fighter, faut avancer une voiture à coup de bras là. Un coup de pied. Let's go. Pourquoi j'ai l'impression que mon bot il me tape en même temps là? En fait ça peut être marrant, j'ai l'impression que c'est un peu mou tu vois. Genre je fais une panne de boutons, mais t'as le gars à côté les morceaux seuls. Genre quand tu fais ça après t'as des points, bonus. Pour ça que je n'ai pas en fait, mais... Faut augmenter ta jauge en bas là. Pour justement. Je sens que je vais être encore dernier. Ah non, je suis premier. Ok, bah j'ai rien compris. Merde, je tape qui en fait? Je tape les rouges moi. Ah, faut pas que les gaz barrent du truc. Ok. Les jeunes qui détruisent des voitures des pauvres travailleurs. Putain, ces jeunes loubards là. C'est Johnny Hallyday dans les années 60. Est-ce que t'es méchant, hein? Boum! Superman Punch! Non, 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 tu passes pas, toi! Non, 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 il s'est cassé, quoi! Ouais, il est KO, je crois. Bon, je suis premier overall, ok. Parce que j'ai gagné beaucoup de points avec la voiture, je crois. Que donc, juste, c'est un boulot de salope où faut piquer les affaires des autres, quoi. Ah, je peux les trop! Oh, mais nickel, ça! Ah, d'accord. Là, je comprends pas comment on joue au jeu. Faut que tu grabes, ouais. Oh non, ça n'a pas marché. Vite, 9 secondes. Non. Grab. Let's go. Comment ça se tape là? Oh le combo gobo. Ça met à comment quand même une patate là? Vraiment, le jeu peut être fun, hein, mais là, c'est vraiment en mode un peu lent. Toi. Oh non, patate de frein, pourquoi elle a été esquivée? Oh non, non, vas-y, ok, je suis pas des ménagères, moi. On va dire, ok, fini. Je sais pas quand ça finit, mais là, on va dire c'est fini. Vas-y, le jeu m'a saoulé, c'est un ouh, de ma part. Battle Cake, vas-y, Battle Cake, ça donne, ça. On voit que c'est pas Texas, y a pas d'armes à feu. Non, là, je sais pas, dans le Missouri, je sais pas où il y a des clubs de football, mais... Bon, il doit en avoir partout, je suppose. Ah là, c'est une pré-alpha démo, carrément. Ouais, on accepte. Hein. Ah, je peux faire en perso, en fait. Hey, it's Battle Cake! Ouais. J'ai la flemme de lire, mais juste, mets-moi du gameplay.
Par contre, qui sont les deux émaux qui m'accompagnent là? Oui, un chat. On peut le taper ou pas? Oh, on peut caresser le chat! Non! T'en viens là. On vient là, petit chat. Le petit chat. On peut caresser le petit chat. Mais c'est insane. T'avais dégagé les émaux là, putain, je veux caresser le chat. Ah, Bébou. Son Goku. On peut caresser le chat, trop bien. J'ai validé, je prends le chat, bah là je l'ai validé. Bon, j'ai fait peur au poisson, du coup on se casse. Je peux juste embarquer le chat peut-être. Est-ce quoi ça? En fait, je sais pas ce que c'est un jeu de fight ou. Ce jeu. Désolé Battle Cakes, peut-être que je jouerai au jeu final s'il est gratuit, mais. Mais là on va dire que ouais. C'est trop pour moi. Vas-y, on va faire Lek, parce qu'apparemment c'est un gros jeu, il me semble ça. Par contre, tu te lances, hein. Frère, si tu te lances pas. Ah, c'est bon. Parce que ça, en plus, il y a une mise à jour. Genre, ok. C'est une démo, j'ai une mise à jour de 90 mégas. Si une démo a besoin d'une mise à jour, alors que c'est une démo qui dure une semaine, c'est qu'il y a eu des problèmes quelque part. Wow, ok. C'est marrant quand. J'ai la flemme de lire. Un programme désigné pour élever ta vie, je sais pas quoi. En plus, l'aborder n'a pas ça en France de l'aborder. Mais la fête du l'aborder, ok. Mais je suis content qu'on ait eu la deadline, du coup la date limite. Franchement, les trop de texte, c'est une démo. Téléphone sonne, hello. Machi machi. Yes, Steve, we made the deadline. Oula, 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 oula. Ok, Franck. C'est quoi le jeu? Pour l'instant, j'ai absolument rien fait. Ok, donc le mec, du coup, c'est le facteur. Qu'est-ce que je fais avec 4 Berades là? Moi, je joue Danny Boone, c'est ça? Ou un connerie de genre? Ou je suis 4 Berades et je joue avec Danny Boone? Vu que moi, je joue la femme, je suis pas facteur, du coup, pourquoi on fait ça là? Franchement, ça fait 57 minutes que je stream. C'est à 59 minutes. J'ai pas fait un vrai gameplay du jeu, je quitte. C'est ma deadline, voilà. Vous voulez faire la deadline? Je vais ma deadline. Ah, bah en fait, je pense qu'on va jouer là. Ok, bon, en fait, on joue. Bon, bah j'ai rien dit. Mais je suis vraiment sans l'air bien à mettre le courrier là, du coup. Mais c'est pas ça mon métier si je fais des programmes sur internet, des logiciels. Oh non, bah attends, pour l'instant, il y a du gameplay, moi je veux voir à quoi ça ressemble le jeu. Faut pas courir là comme le jeu de. Eh, dans un jeu de simulation de tracteur tondeuse, on peut courir, on va pas courir. Genre le mec avait besoin pour me déposer ça. En plus, j'aurais pas pu genre me garer devant la boîte aux lettres quoi. Mais c'est vraiment un jeu de. Oui, quel genre de foutre, laisse-les commander ce qu'ils veulent. Ça peut être des dildos, ça te regarde pas, frère. Voilà, ça c'est vraiment un truc d'Henriquin, c'est tu sonnes, tu poses le clé par terre et tu te barres. Surtout qu'il passe devant, il a vu juste au graph net. Oui, littéralement, le gars. Il te dépose un kilomètre plus loin. Ah, c'est déjà fini. Ok, donc. Littéralement, j'étais factrice pendant 3 colis. Et là, je rentre chez moi. Mais. Si j'ai genre un gros taf et tout, pourquoi je dois aider le facteur plus, j'ai des vibes de The Walking Dead là où au début, t'es avec. Lee et Clémentine dans une petite maison comme ça là. Oh, conduit! Oh, damn! Et moi j'en bats les couilles de la map, moi je vais conduire moi. Je crois pas que j'ai ton putain de facteur, je comprends rien au jeu. Genre j'ai cru comprendre que la femme était. Elle avait programmé un truc, elle avait fait la deadline en mode être content de son taf et tout. Elle arrive là, apparemment c'est la maison de ses parents qui sont en vacances ou je sais pas quoi.
Et tu deviens factrice, genre. Alors qu'apparemment t'as fait une grande école et tout, genre, c'est quoi de l'air? En plus, il y a vraiment beaucoup de. Il y a vraiment beaucoup de. Oh, un voisin! Je rentre dedans. Eh, c'est cyberpunk, tu tapes une voiture, ça t'as pas de dégâts. Ok. Est-ce que je peux, genre, juste me tuer? Ah oh, oui! Ah oh, oui! Ah oui. Yes. Il a dit bon voyage. Ouais, bah là, bon voyage. Non, mais. On va save. On va sauvegarder. Cell Force. Alors là, du coup, c'est ta chaîne de navigation. Je vois des requins. Ça se tire dessus. Ouais. Time to get moving. Aucun avance accélère. Oula, 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 oula. Pourquoi on tourne à gauche là? On a à droite ou pas? Comment on décélère? Faut suivre les courants du vent et tout là. Ok. Et du coup, c'est quoi le but du jeu? Parce que j'ai pas lu le texte, du coup, j'ai pas le lore du jeu là. Frère, j'ai gâché de droite, y'a rien du tout là. Bah là, ça a marché, mais. Et la crate là-bas là? La loot box fait comment? Yes. En fait, le jeu d'avant c'était un. Et ce jeu-là c'est aussi un. Allez, Trigger Witch démo là, let's go. Colette! C'est l'heure de te réveiller! Non, c'est l'heure de faire le plein de sommeil. Rompiche. Belle hiverne! C'est le grand jour aujourd'hui! Oh, la question que ma fille rate une occasion d'obtenir son diplôme de la crosse. Eh, si c'est le diplôme de la crosse, je me lève. Bon, d'accord, tu me promets d'arrêter de crier. Par contre, on a l'air plus vieille que notre daronne. Je ne veux pas de promesses. Debout, et que ça saute, jeune fille. Oh la speed. Oh la speed. Oh putain, un jeu de speed. Excellent. Tellement speed quand je vais me casser, peut-être que je me fous des thunes, non? Ah, les jeux de nuit passés à bûcher. Il n'est jamais trop tard. Hein. Ah non, c'est du bois. J'ai pas compris. Vas-y, on se casse. C'est la maison dans Pokémon, là? Genre, littéralement, on dirait la maison de Pokémon. Il t'a Daron au rez-de-chaussée et tout. Mais c'est Zelda. Non, on va arrêter le troll, hein. J'en suis pensé à un vieux Zelda. La voilà! Je savais que tu ne traînais près pas au lit aujourd'hui. Ah ouais! En fait, t'es au tournant. J'ai déjà surpris Colette à dormir en classe! Quoi? Mais moi, je dors en classe! Non, mais c'est bon. Pas vrai, princesse, encore une minute. Pour Eden, je me suis rendu compte que je pouvais piquer un petit roupillon tout en réussissant les épreuves. Oh la main! Oh la flexeuse! Eh bien, c'est pour ça que j'ai suivi un entraînement supplémentaire ce matin. Tu vas te battre pour obtenir la 10e place, mais en. Même si tu arrives à te décoincer, présomptueuse, je ne crois pas, Rémi. Tu m'en demandes un autographe à la fin du défi de la crosse. Le fast. Il y a assez de place pour la cartouche pour nos trois. Vu comment on a travaillé dur, j'aimerais qu'on réussisse les rêves et qu'on obtienne un diplôme. Ouais. On va la crosse, nous. La crosse. Putain, mais ta mère, ferme-la, je me casse! Qui es-tu? Salut, Cold. J'ai demandé à Rémi d'attendre, mais elle est partie en courant. Laisse-moi deviner, elle voulait prendre de l'avance sur nous. Sinon, peut-être dessus, je crois que c'est preuve de la stress. Tout ça pour l'argent que la faille de l'arsenal te réserve. Tu ne vas pas, bien sûr que si, mais ça m'angoisse d'avoir la faille va me juger. Oh non! La faille va te juger. On y est. Si je suis à l'auteur, j'en serai ma propre arme. Tellement rêvé de ce moment. Ah, c'est ici la crosse? Oh, damn! Ah ouais, carrément. Là, on s'est pris la crosse en pleine face, hein. Trigger Witch. Par contre, me dis pas que c'était ça la démo. Un gobelin qui danse? Toujours un gobelin qui danse dans mes rêves. Mais j'ai pas rêvé, bouffonne. Genre, y a un gun à tes pieds là, tu te rends pas compte.
Pistolet, petit mais costaud. Et là, je fais quoi? Je peux lui tirer dessus, la meuf, là? La faille est facilement, j'ai attendu pendant 1 ou 2 minutes. Je peux te tirer dessus ou pas? Non? Colette, Dozrine, bienvenue au défi de la Kraus. Mais tout le monde s'en fout qu'il y a un Clem qui m'a one-shot, là. Il m'a littéralement... bam! Coup de crosse. Ah, mais attends. Dans le troll, c'est qu'en fait, ma mère, c'est ma prof. C'est pour ça qu'on m'a engueulé. Conflit d'intérêt. Oh damn, ok. Ouais, tu m'apprends à maman, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie au stand de tir. Quelle vitalité et quelle ardeur. Trop mignon un Zelda avec un AK-47. Ah bah là, t'inquiète pas que j'ai 357 Magnum là. Ça va te défourailler sévère. La porte de ça vraiment. Okay. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Oula. C'est quoi la baille? Pourquoi je. Il se passe quoi là? Mais j'ai pris ta rêve, j'ai pissé le sang là! Oh non, elle a l'air trop mignon! Oh putain! Ils ont l'air trop mignons, pourquoi je les fume? Oui, un coffre. Ça me redonne une vitalité? Oh putain! Putain! Le blaster de combat, arme polyvalente par excellence! Ok, d'accord. Vas-y, je kiffe ce jeu. Ce jeu, c'est Day One, laisse tomber! Je sais pas quand il sort, mais c'est Day One ce jeu. N'importe quelle arme est mortelle. Bah, tu m'étonnes. Là, j'ai vraiment la K47 là. L'arme que tu portes sur le doigt finit de se charger et que tu as cours un pistolet pour le. Ok. Ah, si, on s'en fout du truc là. Plus de combat, moins de blabla. Ce jeu est validé à 200%. Oula, on m'agresse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'engraines là. T'es qui toi? Merde, j'ai plus de balles! Par contre, du coup, j'ai pas écouté comment recharger l'arme sur le dos. Et il a l'air venir en plus comme ça. Par contre, je sais pas comment on recharge la K47. Oula, il y a du monde. Je die. T'as le sang qui est partout. C'est ça le fameux défi de la crosse en fait, c'est n'importe quoi. Un univers tout mignon avec des sorcières et des armes à feu et du sang. Getrekt. Putain. Je suis pas né dans la dernière pluie, du coup faut que je prenne le truc ou pas? Mais non, pas besoin du truc. T'as faut que j'en charge mon 6 coups là. Tire. Vas-y, dégomme-le. Par contre, j'ai pas l'habitude des jeux où tu fisses comme ça. Tous morts là. Pour une clé que je n'ai pas. Trop de monde. Bientôt plus de life. C'est bon. Bon, par contre, je sais pas si c'est très long, si je continue ou pas, mais. Ce jeu est déjà validé en fait. À la limite, là, je me suis pas à faire la démo alors que je pourrais attendre le vrai jeu. Oh, le Uzi, le double Uzi, non mais. Story, putain, ce jeu. Il me faut dans la dentelle. Ta 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 ta. Me tue pas. Oh non, décédé. Bon. Je pense que j'ai arrêté là pour ce jeu-là. Mais ce jeu-là est validé à mort. Validé à 200%. Ce jeu est ouf. Oui, très bien. Abonnez-vous à Soldier ASL. Hey, tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner. Hey, tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner. C'est la vie.